mes amours, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ne va pas. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, cette chaîne de vlogs, des émissions, de films. En tout cas, vous aurez beaucoup, beaucoup de surprises. C'est une chaîne YouTube que vous aurez beaucoup de surprises. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Cliquez à cette cloche de notification. En tout cas, beaucoup ratez ma émission et belé, toute la vidéo et belé, ne ratez pas partout. Vous êtes dans tous les quatre coins du monde. C'est là votre Bibi Chumbombo vlog. Voilà, j'avais voulu passer la journée together avec vous, mes amours, ceux qui aiment cette mission vloguer avec moi au courant de cette journée. Donc voilà, là, j'allais voir ma soeur quelque part à Kinshasa. Ah, donc nous sommes à Kinshasa, la belle Congo Kinshasa. Voilà, c'était sur 14e rue, si je ne me trompe pas. À côté de Kingabwa Izam, hein? C'est Kingabwa Izam, vous voyez l'avenir. Hein? L'avenir, là, j'allais acheter quelque chose. Vous voyez l'avenir, comment c'est très sale. Il y a d'autres côtés qui sont vraiment, vraiment, vraiment pitoyables, vous voyez. Donc là, je vais sur l'avenir, j'ai oublié même le nom de l'avenir. Il y avait des moments qui vendent, vous voyez, il y a des moments qui vendent le, on appelle ça comment, le poisson frais, hein, le poisson frais en direct, donc ils sont vivants, hein, ces poissons. Donc mbisiyamai, comme on appelle en français, en lingala, mbisiyamai. Donc voilà, mais aujourd'hui je n'avais pas vraiment cette idée d'acheter ce poisson. J'avais besoin des arachides, mbisiyamai, les arachides. Arono, les arachides Ngubamaï en français, c'est quoi? Les arachides de l'eau. Aïbo, vous connaissez, hein? Les arachides de l'eau. Arono, je ne sais pas. Hein? Bon, c'est Kangate Nazomeka. Je ne sais pas les arachides. Ces arachides, comment on l'appelle en français? Arono. Cherchez les noms et commentez comment on appelle Ngubamaï en français. Donc j'avais besoin de manger le Ngubamaï. Et j'ai vu une maman, cette maman vraiment, Asalinga Mawamingi. Donc j'avais vraiment pitié d'elle. Et je me suis dit de l'approcher. Et vous voyez, donc j'avais vraiment besoin de la soutenir. Je me suis dit non. Donnez-moi un lissango et le maïs, hein, le maïs. Donc j'avais vraiment mangé le maïs il y a très longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de manger ces maïs. Et là, vous voyez, c'est... les noms encore, j'ai oublié. L'autre, vous voyez, qu'on a écrit 200 francs. On appelle ça likasu. Mabengango likasu. Et l'autre côté, ezali... j'ai oublié même le nom. Likasu et mususu mabengango. Donc, ça lutte contre la malaria. Hein? Malaria... Et puis, bah, maladie ébélé, quand tu vas manger ça, et puis, donc ça traite beaucoup de maladies. Je me suis dit, non, je vais acheter encore, je vais ajouter encore, parce que j'avais eu un. Je me suis dit, non, je dois ajouter, parce qu'elle m'avait dit que ça traite de beaucoup de maladies, beaucoup de maladies. Donc, il faut prendre ça une ou deux fois par semaine. Donc je me suis dit non, je veux prendre ça. Et puis là, j'ai demandé une place, qu'elle me donne une place de rester pour ça. Donc voilà, donc je parlais avec la maman. Elle m'avait dit non, Bibi Chumbombo, c'est pas vraiment facile de vivre dans ces pays, Congo Kinshasa, notre Congo la belle. En tout cas, comme tu vois, j'allais demander, alors ton fonds est de combien? Ton fonds de business? Elle m'a dit, mon fonds est de 200 000 francs congolais. Donc en dollars, c'est 100 dollars congolais. Avec 100 dollars congolais, cette maman s'est débrouillée. Elle a deux enfants et la fille que vous voyez, elle vient de présenter l'examen d'état avec ce business. Donc, business au Kakande, notre maman a fait tout
pour sa fille. Elle vient de présenter l'examen d'État. Elle a eu 58% avec ses business, avec le fonds de 100 000 francs, des 100 000 francs congolais. C'était le fonds de business de notre maman. En tout cas, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, je vous dis, mes amours. Ce n'est pas vraiment facile de vivre une vie comme ça au Congo-Kinshasa, notre pays. Quand je dis Congo-Kinshasa, je sais pourquoi je dis ça. Congo-Kinshasa, je le répète, notre pays, Kinshasa la belle. Voilà. Donc, je parle avec maman Cathy. Elle s'appelle Maman Cathy. Elle a dit que non, son mari ne travaille pas. Il est chômeur, pardon. Il est à la maison et elle n'a pas autre chose à faire. Elle s'est débrouillée pour survivre, quoi. Avec ses 200 000 francs, en tout cas, elle peut démarrer son business. Elle achète le maïs le matin. Elle se réveille pour acheter le maïs, les arachides et autre chose, les likasu. Et l'autre, j'ai oublié le nom banzete à bololoa, donc de petits arbres sèches. Donc ce sont de médicaments, quoi. Ce sont des médecines qui aident vraiment à soigner beaucoup de malades. Là, elle est en train de m'expliquer. Ah, bibi, je sais pas facile. Ces pays, il n'y a pas de boulot. Mboka pasi. En tout cas, mboka pasi. Je me suis dit, en tout cas, maman, courage. Hein. Courage, mboka pasi. Mais il faut toujours s'efforcer parce que quand tu vois une femme qui se lève très tôt matin pour aller chercher quoi manger, en tout cas, il faut toujours l'encourager, la féliciter. C'est pas facile. Hein. Elle a quatre enfants, si je me trompe pas. La première a 24 ans, si je me trompe pas. Et elle vient de présenter son examen d'État avec 58%. Voilà, c'était là ma journée, mes amours. C'était là ma journée. Et là, je suis en train d'entendre qu'on me donne mon lissango. Je me suis dit non. Parce que beaucoup de gens vont juger. Et au place Ninoyo, c'est très sale. Hein? Pourquoi tu achètes comme ça? Est-ce que tu n'as pas peur de corona? Est-ce que tu n'as pas peur de maladie, et la typhoïde, de tout? En tout cas, moi, ces jours, j'étais vraiment choquée. Hein? Ça qui est vraiment choqué, je me suis dit non. Je dois vraiment soutenir cette maman. Je dois l'aider, je dois la supporter pour son business. Vous voyez mon lissango? Mon maïs, vraiment, c'est bien cuit là. C'est vraiment bien cuit. Ça donne même l'appétit. Malgré l'environnement est très sale, mais on n'a pas de choix. Ne faites pas semblant. Nous avons vécu au Congo. Même si on a eu l'occasion de rester à l'étranger, mais vous qui êtes Congolais, vous savez comment est notre pays. Hein, vous voyez hein, comment est notre pays, ça se passe comme ça. Ne faites pas semblant, Congo, c'est trop sale et moi je ne veux pas acheter. Hey, est-ce que Bobo Sani, quand tu avais besoin d'acheter le Kwangana Dendo, vous connaissez le Kwangana Dendo? Voyez bien, Kwangana Dendo, tu vas au coin pour envoyer ta petite sœur. Ton petit frère pour acheter le Kwangana Dendo. Son mélange Kwangana Dendo, la pile la poussière. Hein, vous avez oublié. Hein, n'oubliez pas surtout. Donc, c'est ça. Malgré l'environnement est très sale, mais je me suis dit non. C'était juste pour aider notre maman, pour supporter son business. Donc, j'étais là. Attendre mon lissango. Et donc, vous voyez, son business est là. Elle achète le matin, elle se réveille pour aller acheter son marchandise. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. En tout cas, on dit l'homme mangera de la cire de son front, comme le dit la Bible. L'homme mangera de la cire de son front. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle se débrouille. On n'a pas de choix. On ne peut pas la juger. Que maman, pourquoi tu fais ça? Maman, oso sa la boue po na nini? Maman, oso sa la boue po na nini? Non. Donc c'est ça. Donc il faut toujours travailler pour avoir quoi manger. C'est pas bon, il y a que senga, il faut demander partout, tu vois. Pesangaye, kabelangaye, pesangaye, I want you to give me something. Donc de l'autre côté, vous voyez l'avenue Bomoni Avenue, ici c'est à 14e rue, hein. C'est la 14e rue de l'autre côté de Izam. Donc voilà.
y a un petit garçon qui achète le maïs. Donc, veut dire, hé, maïs, ils en ont assez ben mot que je vous dis. Quand j'ai mangé ça, je me suis dit, oh, Elengizanga lipas. On n'a pas de choix, mes amours. Oh, corona, oh, infection. Là, c'est le. On appelle ça comment? J'ai oublié le nom. C'est un produit. C'est comme. C'est pas les licas ou les. J'ai oublié le nom. Là, c'est juste pour. Pour prendre ça une ou deux fois par semaine. Et puis, ça traite beaucoup de maladies, malaria, typhoïde, beaucoup de. En tout cas, je vous dis beaucoup de maladies. Voilà. Là, elle est en train d'emballer mon maïs. Et ces 200 francs, c'est juste pour l'autre, et l'autre produit que je vous avais montré. Et c'est celle que j'ai ajoutée. Et elle m'a donné. Voilà. Donc, c'est ça. Et j'ai demandé, est-ce que je peux mettre les arachides? Elle m'a dit non, il faut pas manger mangouba kotumba. Il faut manger le ngouba kokalinga. I don't know in French, what is the meaning ngouba kokalinga in French? Les arachides grillés, ok. Les arachides grillés. Les ngouba ya kotumba, I don't know if it's what in French, I don't know. Voilà, notre maman est là. Là, je suis en train de rentrer. Vous voyez l'avenir, comment ça se trouve, je ne peux pas commenter. Vous voyez, donc l'avenir est très très sale, je vous dis. Mais on n'a pas de choix, les gens se promènent comme ça, c'est notre pays, on n'a pas de choix. Si tu regardes bien l'avenir, donc en tout cas tu ne sauras pas marcher, surtout vous qui êtes à l'étranger. Vous allez dire c'est trop sale, mais... On n'a pas de choix, c'est notre Congo. Là, je suis en train de rentrer déjà. De rentrer, vous voyez, j'ai vu un poisson. Mbisiyamaï, un gros poisson. Et j'ai demandé les prix. J'avais vraiment envie de manger le poisson. Mais je me suis dit non. Ce n'était pas vraiment dans mon programme de manger ces poissons. J'ai demandé le prix. Et puis, je lui ai dit que je viendrai le lendemain. Parce que c'est un gros poisson. Il m'a donné le prix et il m'a dit le prix c'est à 70 000 francs congolais. Donc c'est à 35 $, plus ou moins 35 $. Mais elle m'avait dit non, il ne faut pas fuir, hein. Il faut discuter. Quand je donne le prix comme ça, le prix à 70 comme ça, non, il ne faut pas fuir. Je me suis dit non. Sur moi, je n'avais pas beaucoup d'argent et je l'ai promis que je vais passer. Et vous voyez, hein, vous connaissez, non? Vous qui êtes Congolais, hein, nous les Congolais comme nous sommes, si tu promets à quelqu'un que non, je vais passer, je vais acheter quelque chose et puis tu promets à quelqu'un que non, je ne vais pas acheter à l'instant même. Vous voyez comment le visage de la personne, comment la personne est vraiment mécontente. Donc voilà, je me suis dit non. Vous voyez tout ça, c'est le poisson Bisiamaï. En direct de notre fleuve Congo. Donc, il tire ça vers le fleuve Congo. Donc, voilà, vous voyez, tout ça, c'est le poisson. Le poisson Ngolo, Mungusu. Il y a plein de poissons, beaucoup de poissons. Là, je suis en train de rentrer, mes amours. Suivez l'émission jusqu'à la fin, en tout cas. Voilà, je suis en train de rentrer, en tout cas, vraiment. Ça me fait du bien de voir notre Congo comme ça, il y a très longtemps. Je viens en Afrique du Sud, mais je me suis dit non. En tout cas, notre Congo, je ne vais pas aller dans des malls, dans des restaurants. En tout cas, vraiment, je me suis dit non. Moi, je vais aller dans des endroits où les gens ont peur d'y aller. Moi, je me suis dit non, je dois aller. Là, je négocie pour la moto, vous voyez. Je suis en train de négocier pour la moto. Non, je vais demander, c'est à combien le prix? Il m'a dit non, c'est à 1000 francs. Il y a 500 francs. Moi, j'ai dit, non, c'est 500 francs. C'est 500 francs la moto. Il m'a dit, ok, maman, viens, on part. Donc, voilà. Je suis dans la moto. J'ai monté dans la moto. Elle m'a dit, maman, toi, qui es filmé, il ne faut pas me filmer. Hein. Tu me filmes. Je me suis dit, non. On ne t'a qu'à face, nanga. Il me demande si je vais vendre sa face. J'ai dit, non, je ne peux pas vendre ta face. Comment ça je vais vendre ta face?
Alors tu n'es pas une star, comment je peux vendre ta face? Là, je suis dans la moto. Oh, je vous dis, auparavant, j'avais peur de monter, hein. J'avais peur de monter dans la moto. Ah, non. J'avais vraiment, vraiment peur. Mais je n'avais pas le choix. Je me suis dit, non, je vais vlogger aujourd'hui sur la moto. I will do it. I can't be afraid. Never. Là, je filmais et les gens se moquaient de moi. Les gens disaient, oh, mais fille, comment je filme sur la moto? Moi, je me suis dit, papa, je vais vlogger, je vais filmer. Là, je suis en route pour aller chez ma soeur. Voilà, c'était vraiment à 5 minutes hein, d'arriver chez ma soeur. Donc, voilà. Comment était ma journée? Je suis dans la moto. Donc, voilà, avec je ne connais même pas son nom. Il m'a dit, ah, c'est Baxel à 1000 francs. Baxel à 1000 francs. Je me suis dit, au moins, on a aussi un pilot là. Mais on a opé son caca. Raza mon côté. Parce que les gens de la moto, s'ils savent que non, tu es nouvelle, ou bien, en fait, tu viens de l'extérieur, ils vont demander beaucoup d'argent. Ils sont comme ça, les Congolais. Nous sommes comme ça, le Congolais. Je me suis dit, t'es vieux, comment ça a pris, t'es, c'est à 500 francs. C'est pas 1000 francs la moto, parce que la distance est de 5 à 6. Vous voyez, c'est presque 2 à 3 minutes. Donc, plus ou moins des 3 minutes. Donc, voilà. Là, je suis en train d'arriver. Il y avait une personne qui s'est moquée. Maman, bon, il faut filmer, puis ça, boy. Je me suis dit, maman, papa, n'as-tu filmé, je ne te filme pas, papa. Voilà, je suis sur la moto. Ah! Là, je suis arrivée à la maison chez ma soeur. Vous voyez les arachides que j'avais achetées et le maïs fumé. Vous voyez, là, je suis en train de manger le maïs. Aïe, 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 aïe. C'était bon, hein? Vous voyez? Aïe, 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 aïe. J'avais acheté aussi des mangues, mais je n'avais pas eu l'occasion de manger. Voilà. Vloguer avec moi, je vous aime. Là, il y a ma sœur, vous voyez, il y a ma sœur qui passe. Aïe, Yaya. Je me suis dit, Yaya, pourquoi moi je filme? Comment je suis en train de faire mon vlog? Alors, pourquoi tu veux passer? Elle me demande, non, viens me filmer. Viens me maquiller, parce qu'elle voulait aller dans une fête de mariage. Elle m'a dit, non, viens me maquiller, laisse cette vidéo comme ça. Toi, tu es toujours avec ton téléphone. Je me suis dit, ah non, Yaya, je viendrai. Donc là, je suis en train de savourer mon maïs. Voilà, c'était vraiment bon. Je me suis dit, non, on ne parle pas quand on mange. Je me suis dit, excusez-moi, voilà, je veux vraiment, vraiment savourer ce que j'avais mangé il y a très, très, très longtemps. Donc, merci beaucoup, mes amours. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez, abonnez-vous. Et cliquez à cette cloche de notification. Nous sommes là, toujours pour vous informer, pour vous satisfaire. Cette chaîne YouTube a beaucoup, beaucoup de surprises. Là, c'était vraiment ma journée d'hier. C'était ma journée d'hier. non, ma journée d'aujourd'hui, comment je l'ai passée. Aïe, bon. Je ne vais pas mentir, hein. Donc, c'est ça. Abonnez-vous, je vous aime. Si vous avez aimé, en tout cas, laissez vos commentaires. N'insultez pas surtout, soyez toujours connectés sur votre chaîne. Je vous aime, je vous adore. Là, je vous présente le maïs. En tout cas, j'avais mangé les maïs. Après ça, j'avais mal aux dents. Parce que c'est trop dur hein, quand tu manges le maïs. Je vous aime et à la prochaine. Bye bye. Là, je vous présente.